Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chasse-Presse. Nous sommes avec Maccabée, encore une fois, qui est bien sûr en pleine expérience avec son microscope, puisque je le rappelle, Maccabée est scientifique. Hey, Maccabée, réveille-toi. Bon, présente-toi. Oh, bonjour. Et on m'appelle Maccabée. Oui, oui, on le sait. Alors, voilà, donc tu es scientifique, Maccabée. Explique un peu depuis combien de temps, d'où tu viens, d'où tu sors. Comment ? Je suis scientifique. Ouais. Et donc, d'où tu sors concrètement ? Comment on s'est rencontrés ? Raconte-toi un peu cette histoire-là, de façon à ce que... Il va falloir que tu arrêtes. Oh, il va falloir vraiment que tu arrêtes, là, et que tu m'écoutes tout de suite. Parce que là, c'est motif de licenciement dès le départ, tu vois. Et je fais ce que je veux, c'est mon émission, ok ? Donc... Alors, je te rencontre quand tu demandes comme ça dans la vidéo de tu cherches le Maccabée pour faire le scientifique. J'ai pas cherché partout, donc j'ai fait l'enquête. Donc j'ai bien trouvé comme ça avec toi. Après, je cherche partout. Bon, on va faire l'enquête pour trouver le bon moment. Tu m'as dit le jour bien. Voilà, oui, on a donc l'homme vert. Le géant vert, oui, exactement, on a trouvé... Le géant vert, c'est une publicité pour le maïs. Donc, le géant vert. C'est pas tout à fait la même chose, voilà. Oui. Donc, tu es de quelle origine? Parce qu'on sent que tu as un fort accent un peu merdique. Hein, oui, je suis portugais. Ouais, voilà. On s'en doutait. Donc, oui. Bah, justement, oui. Je suis portugais, moi, de Lisbonne. De Lisbonne, d'accord. Lisbonne ou Fou des Caraïbes. On s'en serait d'ailleurs d'autant plus douté que... Mon maman, je fais qu'un, hein. Comment? Mon maman, elle est un bête pica. Voilà, donc pourquoi tu es toujours avec ta truelle? Parce que ça fait un peu cliché là. Parce que je suis machin. Ah bah oui, forcément. Je suis un machin et je... Alors tu fais quoi dans la vie, Maccabée? Je suis machin. T'es maçon, d'accord. Je suis scientifique aussi, temps perdu. Qu'est-ce que tu cherches là? Ah, je suis en train de chercher parce que je fais l'enquête. Je récupérais deux trois trucs que j'ai trouvé comme ça pour le bon nombre de verres. C'est quoi? C'est de la nourriture. D'accord, ouais, c'est en fait des tomates quoi. Non, c'est de la nourriture. Voilà. Alors tu me disais hors caméra tout à l'heure que tu avais trouvé un remède contre le virus du sida dans ton laboratoire grâce à ton microscope, c'est ça hein? Ah, tout à fait, oui. Ouais. Je mets le cerveau, je suis en train de planter un peu de basilic sur le menthe. Oui. Et c'était bon pour le virus du sida. Ah oui, d'accord. Donc, comme quoi, tu vois, il faut pas grand chose. Hein. Ah, tout à fait. Non, mais les scientifiques se font chier et puis alors que toi, tu trouves direct. Ah bon? Ouais. Oh, tu m'excuses parce que tu me perds un peu quand même, je pas trop à me concentrer ouais. Avec tes conneries. De toute façon, déjà, tu vas commencer à te calmer, à fermer ta gueule. Parce que sinon, moi, je vais foutre ton frigo de merde et tu vas voir que je vais te congeler comme une morue là et tu vas. Même ta mère a pas te reconnaître, premièrement. Et t'as raison déjà de pas répondre hein, parce que là, je suis à deux doigts de te mettre dans les mains. On me reconnaît, hein. Voilà. Et deuxièmement, de toute façon, je te laisse dans ton laboratoire pour l'instant. Je te laisse continuer ton truc là, ton merdier. Ouf, caray. Voilà. Et je reviens te chercher pour partir à la recherche de l'homme vert. Ok? Ok, et... je me retrouve tout à l'heure. Mais je te préviens, mon gars. Attends, ça va se passer comme ça. Oui. T'as intérêt à tous les droits. Je le vois. Tu me réponds une deuxième fois, je te jure, tu seras le premier Maccabée à voyager sur la Lune sans fusée. Ok? Ouais, non. Hein, tu seras un tosse mon autre. Je pas. Excusez-moi, je m'énerve parce que ça y est, ça. À peine l'émission commence, ça te part déjà en couille. Excusez-moi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chasseurs de Monstres. Comment ça fait pourri avec ton accent, excuse-moi. C'est merdique avec ton accent. Comment ça, je merdique? C'est merdique, mais quand tu dis monstre, ça fait pourri. Ça fait pourri. Chasseur ça fait pas... de monstre. Comment tu dis? Chasseur de monstre. Chasseur de monstre. Chasseur de monstre. Chasseur, chasseur. Chasseur de monstre. Ah, oh, c'est spécial. C'est chasseur hein. De monstre ou pas? Ah, c'est spécial. Bon. Bref, on va chasser. T'es quand même drôle, hein. Mais bon, bref. On va chasser donc celui qu'on appelle l'homme vert. Il est. Fais pas de bruit avec ta truelle. T'es vraiment un malade, hein.
à peine. Qu'est-ce que je t'ai dit hors caméra quand je t'ai foutu par terre? Oui, c'est vrai, hein? C'est vrai. Tu sais que là, je t'ai, si je continue à t'étrangler comme je l'ai fait, je te demande pardon. Tu respirais, tu respirais plus jusqu'à ce que tu crèves et jusqu'à mort s'en suive. Je fais plus de bruit. Mais arrête ta putain de truelle ou je te la confisque. C'est bon. Je vais ranger. Ah là là. Donc ce bonhomme vert qui est très connu hein, dans la région et même de façon internationale de toute façon, l'homme vert. Donc l'homme des forêts finalement, pas confondre avec le géant vert, hein, qui n'a rien à voir, contrairement à ce que disait Maccabée dans son laboratoire. Oui, c'est le bonhomme vert quoi, le géant vert. Je suis pareil, hein, je bonhomme vert, géant vert, je suis pareil, hein, je suis le bonhomme qui court, il est tout vert. Hein. Moi je vous le filme aussi. Hein. Je disais donc. Alors, ce qui se passe avec cette créature verte, c'est qu'elle n'est évidemment pas humaine, puisqu'elle est verte, on s'en serait douté, c'est un vrai monstre. Et quand il nous touche, quand il nous contamine en fait d'une sorte de venin qui vient de la galaxie intersidérale, il te file une chiasse d'enfer et il te fait péter jusqu'à ce que tu te vides complètement et que tu meurs. Moi, c'est pas ça des chats, hein. Je veux pas faire le caca, moi. Hein. Je te l'ai dit, mais t'as pas écouté. Je veux pas entendre. Et ça, tu vois le problème, ça, tes parents auraient dû te l'inculquer dès le départ, tu vois, dans la vie. Je veux pas entendre ça, moi. Je veux pas dans la vie, si on me touche, je fais caca. Comment ça nous perd, je veux pas le chier, non, ça nous perd. C'est important d'écouter son prochain, tu vois, comme quand t'écoutes pas ton prochain. Tu comprends rien. Et là, c'est ton cas. Quand tu n'écoutes pas, c'est vraiment très particulièrement compliqué avec toi. Je crois que, en fait, tu as un. Bon, bref, allez. Là, je vais dire des mots blessants. Et c'est pas la peine. Donc, bon. Arrête. Couchez. Je veux pas. Couchez, sous le temps. Je vous m'attends. Voilà, pas bouger. Pas bouger. Donne la truelle. Ah, je te montre où elle, chat, je bon, peux donne pas la, donner. Donne la patte, donne la patte. Je peux pas donner, je peux donner comme ça la. Non, pas la truelle, hein. Bon, écoutez, on va essayer de capturer des images de l'homme vert, et puis on verra ce qu'il en est, quoi. Bon, alors surtout, tu fais attention de ne pas te laisser toucher par l'homme vert, parce que s'il est bien dans ce coin-là, comme on nous l'a dit, ça peut être compliqué, ok? Est-ce qu'il monte aux arbres, l'homme vert? Je comprends pas quand tu parles. S'il monte aux arbres. Aux arbres? Ah oui. S'il monte aux arbres. Parce que sinon, moi, je sais pas, je ne peux pas passer dessous, caray, je ne veux pas qu'il me touche et je fais caca. Hein. Ouais, non, mais ça voilà, ça ira. Donc, alors, j'en profite tant qu'on est encore un peu dans le bain. Maccabée? J'en profite qu'on est encore dans le bain. Tu sais pourquoi les Portugaises elles pètent après la sodomie? Oh, je sais pas. Pour remettre les poils dans le bon sens. J'ai pas compris. Hein. Pour remettre les poils dans le bon sens. Le poil? Comme ils sont fait enculer, elle s'est fait enculer. Enfin bref, non, bon voilà, c'est tombé. J'ai pas compris. Attends, bah attends, une plus facile. Tu sais comment on appelle un œuf portugais? Un œuf? Un œuf portugais. Un œuf, oui. Un œuf, ouais. Non. Un kiwi. Un kiwi. Un kiwi. Allez, on y va. Je n'ai pas compris. Tu sais pourquoi les. Tu sais pourquoi les Portugais. Oh là là, caraïou. Tu sais. Tu me coupes pas la parole hein, quand je te raconte une histoire. Okay? Je veux la pierre là-bas. Je regarde le bel angle de doigt là-bas. C'est joli. Ah oui, t'as une belle pierre, c'est ça, oui, t'en as oui. aussi là. Oui, très beau. Non, mais celle-là, c'est pas très grand, hein. C'est pas pareil. Ah, d'accord. Oui. Tu sais me disais quoi? Non, je te dis une petite dernière pour la route, histoire de dire quand même, on part sur une vie. Je ne sais pas si tu pourras. Je n'ai pas compris toujours. Plus, je ne sais pas ce que tu dis. Oui, non, c'est ça. Mais je voilà. Tu parles un drôle de français, quoi, toi, quand même. Hein. Je sais pas. Hop. Je mets la caméra dans la gueule juste une seconde. Hop. Merci. Ouais, donc je te disais, pourquoi les Portugais se laissent pousser les moustaches? C'est pour faire le jeune. Ouais, non, c'est pour ressembler à leur maman. Ouais, bon, donc c'est une belle pierre, hein, c'est ça? Oui, c'est une très, très belle pierre. Alors là, par contre, vous avez une très belle pierre. Surtout droite comme ça, ou un angle droit. Celle-là, on ne trouve pas beaucoup comme ça. Hein. Ouais. Là, c'est pierre comme ça, je peux construire une maison pour Marie. Hein. Ah oui, eh ben, tu peux la prendre, la pierre.
tu vois, ça casse tout de suite bien. Tu peux, voilà, tu vois, chat, tu peux voir que c'est du vrai caillou. Ouais, pourquoi ? Chat, c'est des... bah, parce que quand tu tapes comme ça, ouais. Tu vois que c'est. Chat fait très droit comme ça, tu vois. Oui, c'est assez isocèle, c'est ça ? Tu vois, elle casse tout de suite. Ouais. Voilà. Ouais. C'est comme ça, ça c'est vraiment très bonne pierre. Je crois que je vais l'emmener au Portugal. Hein. D'accord. Et tu trouves qu'en fait, c'est une pierre plutôt, ouais. C'est une pierre, elle est isocèle. On dirait qu'elle a le 314 ici. Tu vois, c'est. Bon, en fait, il y a un aspect perpendiculaire. Elle est très... Non, c'est pas perpendiculaire, c'est isocèle. Genre, par exemple. Voilà. Pardon. Genre, par exemple, sur l'échelle de Richter, tu donnerais combien ? Oh, sur l'échelle de Richter, je donne au moins 14 000 pi 14. Ah oui, oui, quand même. Ah, c'est. Scientifiquement parlant, 300 000 pi 14. Ça fait, ça, c'est pas un peu beaucoup ça, non? Ah non, parce que les Richter, ouais. C'est riche, hein? Ouais. Ah bah oui, oui. Ah oui. Ouais. Eh, ouais. Il faut suivre des fois comment on dit, hein? Ouais, ouais, ouais. Ah, viens d'ici. Ouais. Oh, je trouvais quelque chose. C'est... Ouais, ça c'est je de la merde. Une plaque, c'est de la merde. Carail. C'est de la merde. Oh, mais non, je suis pas de la merde. Regarde, c'est quand même. On dirait un vieux four. Tu vois bien que c'est rouillé. C'est de la merde. Oh, on peut peut-être utiliser encore un peu parce que celui-là, il a encore peint. Ouais. Oh ouais, oui, mais, oui. Alors, tout est droit. En plus, ça fait une belle. Pour faire. Tu sais, tu peux faire des briques avec. Complètement, ouais. On n'est pas là pour bricoler, hein, tu sais, on est là pour chasser l'homme vert, ok. Moi, hey, écoute bien. Oh, d'accord, mec, on est dans chasseur de monstres. Oui, oui, oui. On est en train de voilà. Hey, moi, je suis. Hey, moi, j'ai besoin d'être crédible dans ma démarche, ok. J'ai besoin de monter en compétence. Je te comprends tout à fait. Jeune homme. Je suis 100% d'accord avec toi, je te comprends vraiment tout à fait. Bon, bah tant mieux, alors on y va. Ah, ça c'est sûr. Ah oui, 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 je comprends vraiment tout à fait. Voilà, ouais, voilà. Oui, c'est bon. Voilà. Je peux faire pas de soucis, je comprends vraiment tout à fait ce que tu me dis. Ah bah du coup, ta gueule, alors. Voilà, je sais vraiment tout de suite, voilà. Pas de soucis. Je comprends, hein, je te sais, je suis scientifique quand même, hein. Oui, j'ai vraiment, voilà. J'ai fait de l'horlogerie, tout dossier, maçonnerie, bon, je fais beaucoup de maçonnerie. C'est, hein. C'est compliqué hein, de comprendre. Voilà ce que quoi. Je dis. Donc tu te tais. Oh, je trouvais une cerveche. Ah ah. C'est quoi ça? Ou c'est une cerveche. Ah. Je crois que la boule canon, le géant vert. Ouais. Ou une chambre. Hein. Le géant vert, là, il est passé par là, c'est chour et certain. J'ai l'impression que tu dis des conneries. Oui, bon, non, je suis chour et certain. Ouais, c'est vrai. Ah, si, si. Voir, là, attends. Il y a peut-être des traces. Ah oui, il y a des traces de crocs. Regarde. Là, ouais, il y a des traces de crocs. Tu vois? Ouais. C'est quoi? Parce que c'est peut-être une Kronenbourg, non? Il aspire la bière comme ça. Ah, et ouais. C'est la cerveche, en fait. Et après, tu vois, ça doit être les dents. Ouais, c'est ça, c'est. Ouais, c'est... Bah, il a qu'une dent, même, je crois. Du coup, c'est normal qu'il y ait qu'un trou. Ouais, ok. Je sais pas, j'ai jamais vu. Bon, faut pas l'excuser. Finalement, il sait pas ce qu'il fait. Voilà, je suis sûr que je sais pas s'il a des coups. De toute façon, oh la peau d'esse, caray, c'est voilà. Il a vu une pierre, laisse tomber. Putain, le mec, t'as l'impression qu'il est venu construire une maison. T'sais, ces gènes de maçon qui coulent dans ses veines. Tu vois, regarde. Oh, caray, faux d'esse. Oh, c'est du bon air. Oh, ça, je prends. Je vais chercher la pierre, ça, mon gars. Ah, ça, je charge le remorque Portugal. Hein. Toi, tu vas amener ça au Portugal? Ah, là, ça, sur certains, je vais emmener prendre tout. Attends, ça. T'as Portugal, vu les. Il y a un truc là. Oh là là. Il y a un truc là. C'est quoi ça? Oh là 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 là. C'est tout vu. Oh. C'est caillou. Il y a un bonhomme. Oui, oui, c'est justement, ça t'a vu la beauté que c'est. T'as vu ce truc là? Tu as vu la beauté que c'est le top caillou là. Il y a un bonhomme. Oh, oh. C'est. Faux d'escarec. Hé! Il y a un bonhomme vert là. Qu'est je te jure, c'est quoi ça? Qu'est bonhomme vert? J'ai vu un bonhomme vert passer, je te jure, on serait dans la pub de CTLM. J'ai fait un zoom, on le voit super bien. Je vois rien du tout. Attends, je l'oume la lumière, tu vas voir, je vous regarde. Arrête de t'extasier sur les pierres, on n'est pas là pour ça. Je vous regarde vite fait avec la lumière. Attends, fais gaffe, parce que fais gaffe. Je mets un coup de marteau, il m'approche, il ne veut pas faire caca. Je mets un coup de marteau dans le gueule. Fais gaffe, mec. Je veux monter, je te dis, je mets un coup de marteau dans le visage. Vas-y. Je lui casse le visage. Moi, je veux pas qu'il me touche, que je fais le caca partout. Hein. C'est niet. Hein. Fais gaffe, je l'ai vu là.
S'il te touche, je te jure, je te laisse dans la merde. Y'a rien du tout là-bas, Caraïouche, c'est bon. Hein. Moi je l'ai moi, vu passer. Je vais aller là-bas, non, attends, j'ai trouvé quelque chose, moi c'est encore mieux. Tout dans le temps, il n'y avait pas de bonhomme là. Toujours rêvé comme ça là. Tout, j'ai pas rêvé, mon temps. Fait de la prière. Là, moi j'ai trouvé une belle caillou. J'ai pas le temps de rêver. Moi je suis pas comme ça, je fais pas de détails. J'ai pas le temps de rêver, mon gars. Oh là, quelle est belle. Oh Caraïouche, ta vadoche. Ah, je t'affodèche. Oh là, je t'affodèche. Allez, oh, comment cool belle caillou. On s'en branle de ta pierre. Oh le bel. Je te dis. Oh le bel le caillou. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh le bel le caillou. Ouais, c'est presque sensuel l'histoire avec cette pierre. Hein. Bon allez, oh, voilà, c'est un très joli caillou. Oh là là. Oh je t'affoude, je carré. Oh je te fous, je cherche. Putain, t'es caillou fille ou quoi? Bon caillou. Le mec il est caillou fille. Oh la faute, je carré. Oh je te fous. Eh, tu vas pas te branler ici. Oh, je te jure, je filme tout ça, je le montre à mon audience. Eh, je te jure, je vais montrer tout ça, tu vas te taper la honte, mon gars. Putain, eh, là, c'est tout le Portugal qui se tape la honte à cause de toi. Mmh, voilà. Allez, hop, rien à branler. Oh, voilà, allez. Voilà. Ouais, une fois que t'as fait ton affaire, là. Ah, je tapine, mon gars. Putain, c'est un malade. C'est un taré. J'ai fait venir un caillou fil. Je savais même pas que ça existait. Putain. Eh, je suis désolé. Je vous montre ça, le mec c'est un psychopathe. Il est en train de grimper sur le caillou là, regardez-le. Eh c'est bon, arrête de te frotter comme un chien à un caillou. T'es vraiment un débile. Hein. De grimper, là, caray. Bah t'as deux options. Soit je te mets la branlée de ta vie et je te laisse sur ce caillou là. Soit on y va. Qu'est-ce que tu choisis? Je veux juste ramener pour Portugal. Allez, 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 allez. Eh, tu te rends compte que là, t'es en train de te taper un caillou, mon gars. Bon caillou. Ça, c'est un rocher. Ouais, c'est un rocher, ouais. Un caillou, quoi. Je trouve. Une pierre. Je trouve vraiment que celui-là, il est magnifique. Je vais essayer de charger dans le remorque que je vais emmener le Portugal. Ouais, tu vas charger. Oh là là. Putain, le gogol. Allez, ferme ta gueule. Tu crois vraiment que tu vas emmener tout ce merdier au Portugal comme ça? T'es ouf ou quoi? Comment tu vas faire? Tu vas faire 150 000 allers-retours? Tu veux mettre ça comment dans une remorque? Tu connais pas, toi, parce que. Il faut en fait tout taille comme ça, je t'ai montré tout à l'heure. Et qu'est-ce que tu as à foutre avec toutes ces pierres? Monter la maison. Je monte la maison. Il est fou. C'est le pire, et de loin. Pourtant les autres, ils étaient... Ouais, il continue, de toute façon, il est à fond dedans là. De toute façon, il continue. Ça y est. Et il est parti, on l'arrête plus le gars. Hein? Bon. Pour 2000 km, il faut aller au Portugal où j'habite. En plus, j'ai vu un bonhomme en vert. Tu parles, c'est pas dans 2 jours, hein. Et là, je suis assez inquiet quand même parce que lui, autant on s'en prend complètement si peu importe ce qui lui arrive à la limite. Mais là, moi, j'ai vu un bonhomme vert. Et vous savez quoi? J'ai presque envie, en fait, que l'homme vert vienne toucher ma cabée, qu'il fait une bonne chiasse, ça lui apprendra à nous emmerder. Allez, il est là tout seul. Hein. Ouais, je vais te prendre en photo, ouais, tu vois. Ouais. De toute façon, il y a des vidéos là, hein. C'est bon. Hein. Ok. Tu veux, vas-y, tu fais toi. Je vais juste te montrer mon copain Pedro qui vient m'aider pour charger. Fais ton salsifis de merde. Je vais revenir ici avec Pedro. On a fini le tournage pour aller chercher les cailloux là comme ça. Et puis je suis là. Je vais charger celui-là aussi parce qu'il est droit, tu vois, regarde. T'as un peu particulier P14. Celui-là, là. Est-ce que tu te rends compte que là on est en train de chasser un monstre? On n'est pas venu ici pour faire de la masse. Ouais, toi vous le monstre, il n'y avait pas de monstre, je suis monté là-haut. Vous avez ça dans les gènes. Je sais que c'est en vous. Mais maintenant il faut se calmer quand même. Et chaque chose en son temps, ok? T'es peut-être maçon, mais t'es aussi chasseur de monstres aujourd'hui. Et scientifique. Ok? Hein, tout à l'heure tu m'as dit que tu comprenais. Tout à fait. Hein, tu m'as dit que tu comprenais. Tout à fait. Voilà, bah maintenant, puisque tu comprends, on y va. Allez vite. Avec sa spatule là. Allez, je sais, ça brise le cœur. Allez, on y va. Je te jure, je l'ai vu ici. Je l'ai vu traverser ici en fait. Bagne-toi le cul. Oui, je sais, ta pierre, j'ai compris. T'as vu encore? Oui, c'est une belle pierre. Il y a encore de beaux rochers ici, des belles pierres, de beaux cailloux. Oui, voilà. Ah oui. Voilà. Donc,
ça c'est, t'as vu, hein, tabac, oh là c'est, là, oui, c'est fait boire, de putain, j'aurais jamais dû l'appeler ici. Alors, là, je suis pas sûr de pouvoir continuer avec lui parce que là c'est vraiment un fiasco, c'est vraiment un, c'est le massacre complet. Regardez, là, en plus il a ramené sa truelle, son marteau, tout ça. Arrête. En plus là t'es en train de, c'est en train de me, il y a des éclats qui viennent vers moi. Je sais pas comment te dire. Oh, je t'écoute. Hein. Est-ce qu'un, bah, par exemple, ce qu'on pourrait faire, tu vois, j'ai une idée. Tu vois, par exemple, pardon, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple, genre, tu vois, par exemple, t'imagines, par exemple, regarde, peut-être à un moment donné, enfin, tu vois, c'est un exemple, après, t'es pas obligé de dire oui, mais t'es pas obligé de dire non non plus d'ailleurs. C'est hein, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis d'accord. Hein. Ouais, bon, on y va alors. Ouais, ouais. C'est parti. J'avais, ah oui, j'avais une autre idée. C'est genre, par exemple, pardon, ouais. C'est que, en fait, tu. Et par exemple, genre, on a qu'à dire à l'homme vert. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, ah bon, oui, oui. On a qu'à dire à l'homme vert, par exemple, genre, il vient te toucher, tu vois. Non, vient... non, ça, je veux pas le faire. Après, cool, moi, c'est je veux faire le caca. On va faire ça. Non, merci. Voilà. Hein. Ouais, bon, on va faire ça. Je suis pas très mon truc. Voilà. Hein. Écoutez, moi, je vous ai vu en tout cas. Maccabée, là, qui est avec moi, faut pas y faire attention. Il est particulier. Il est portugais et il est gentil, pas, hein, il est gentil. Alors ça, il n'y a pas de problème, hein. Tous les portugais de la terre sont gentils, c'est pas ça le problème, hein. Mais il est quand même particulier et si vous voulez bien venir le toucher, lui faire un câlin, quelque chose comme ça, non, ça non, sera non, vraiment non, une formidable non, preuve. Ta gueule. Arrête de me couper. Donc si vous voulez bien le toucher, venir l'embrasser, faire quelque chose, voilà, moi je vous regarde et et voilà, donc... Oh, quelle belle pierre, caray. Voilà. Ça encore, c'est vraiment, c'est joli. Hein. Tu vois, Morgan, toi, tu connais pas trop comme ça les petites pierres, mais il faudrait qu'un jour, je t'explique vraiment comment c'est les cailloux. Il faudrait vraiment que je t'explique comme il faut pour que tu puisses construire ta maison. Si je comprends bien, en fait, tu pries le... La maison, c'est important dans la vie. Tu pries le dieu maison, quelque part, quoi, le dieu non, pierre. Non, je suis pas le dieu maison, je suis... Non, j'ai pas... Une maison, mais c'est du solide. Il est beau ton c'est de travail. Ah bah, c'est, bah je suis maçon. Hein. Ouais, maçon jusqu'au bout, hein. Scientifique, mais maçon. Mais dis-moi, alors ta gueule, mais dis-moi, mais toi t'es plutôt quelqu'un de franc. Oh, tout à fait, oui. Ouais, et puis du coup oui, t'es maçon. Alors est-ce que tu es franc mal à dire de faire une chungueule, hein. Est-ce que t'es franc-maçon du coup, parce que comme t'es franc et maçon. Alors voilà, on s'adresse à l'homme vert. On sait que vous êtes ici, je sais que vous êtes ici puisque je vous ai vu. Voilà. Donc, je vous invite à venir vous manifester et toucher Maccabée. Voilà, moi je vais m'éloigner un peu de lui. Tiens, je vais me mettre ici. Bouge pas, hein, Maccabée. Bouge pas. Tiens, regarde, une scie. T'as vu, Maccabée? Merde, j'aurais pas dû lui montrer. Oh le con. Oh putain. Non, y a rien. Oh putain. Un si ou carayou. Ouais, bah voilà. Oh, c'est un chi de placo. Ouais. C'est le chi pour faire le placo, je suis là. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et Stanley. Qu'est-ce que... Oh là là, c'est chi de... Qu'est-ce oh là là, comment c'est de bon chi, ça. Voilà, bah regarde là, allez, je te la donne, c'est cadeau. Ah, ça, là, je vraiment, c'est très gentil à toi, mon petit Morgan, oh, parce que c'est une belle cadeau pour moi. Ah, hein. Bah, je veux le dire à ma mère et je veux le dire à Marie. Hein. Une belle scie toute neuve comme ça. Elle est pour faire son placo, qui. Elle va être contente. Hein. Bah voilà, ouais, avec ta femme, tu vas pouvoir bosser et tout ça. Ah, on va manger le bacalao après ensemble, oui. Voilà, bon bah, chose faite. Oh wow, c'est super. Bon. Vas-y, mets-toi. Trouve une chie. Attends, si tu peux, ta gueule. Mets-toi. Quoi, je trouve là-bas. Mets-toi loin de moi. Moi, je te dis juste comme ça parce genre, que. Genre, par exemple, tu pourrais. Genre, j'ai vu quelque chose par-ci, par-là. Et, tu veux, tu te mets genre ici, tu vois. Tu vois, par exemple, vous n'avez toujours rien à branler. Et voilà, tu te mets ici. Tu vois. Là, tiens, tu te mets là. Mets-toi là, par exemple, là, dans les fourrés, tout ça. Vas-y, monte, n'aie pas peur, fais-moi confiance. Eh, tu peux me faire confiance, hein. Tu sais très bien qu'il peut rien t'arriver, t'es avec moi, de toute façon, je vais te défendre. Et voilà, ouais. Ouais, bouge pas. Ouais. Vas-y, hop. Oh là là. Ah, tout à fait, je te fais confiance. Ouais, hein. Voilà, ouais, nickel, ouais, tiens. Ouais. C'est quoi? Eh, je vais m'éloigner, et puis on va voir si... Voilà. Oh là là, putain. Ah, t'as beau être maçon, t'es pas sportif, hein. C'est compliqué. Ouais, je fais l'habitude de monter comme ça dans les montagnes. Ah ouais, surtout avec des lunettes noires dans le noir, c'est quand même un peu con. Mais bon, voilà. Je vais m'éloigner un peu.
Et je vais me servir de toi comme appât. Ok? Pas trop, non, j'aime pas que me touche, faut que je fais caca. Hein. Non, t'inquiète pas, c'est des conneries ça. Voilà. Donc, est-ce que l'homme vert veut bien aller le toucher là, ici? Voilà, il est là pour vous en fait. C'est comme une sorte de. Comment ça se passe quand on taille les pierres? Parce que toi, je sens que t'as pas bien compris. C'est fou, hein. T'as beau lui parler, le mec il continue. Hein. Il est dans son délire, il continue. Et il se rend pas compte de la situation. Maintenant, il faudrait quand même que tu puisses pouvoir. Donc, ta gueule. Et lâcher là qu'on a trouvé. Oh bah ta gueule, mais c'est-à-dire complètement, hein, il n'y a jamais même. C'est un truc de fou, t'es un moulin à parole, mon gars. Tu parles. Tu parles, tu parles. Oh putain. Putain. Ça va? Il t'a touché, mon gars. Oh, tu vas où? Oh, reviens. Ouais, t'as touché, mon gars. Je remets tout marteau dans gueule, putain. Ça t'apprendra, t'as qu'à fermer ta gueule, t'arrêtes pas de parler. Je vais toucher, putain. Viens là, allez, viens là. Il m'a sauté. Ouais, il t'a touché, mon gars. Ah. Il t'a touché. Ah, il m'a. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Maria. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Allez, viens, on se casse. Oh la caraille. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu tournes en rond? Pourquoi tu tournes en rond? Oh putain, caraille, je vais chier mon cou. Vas-y, va chier quelque part, vas-y, va dans le coin là-bas, va dans le coin derrière une pierre. Ah, une pierre au caraille. Vas-y, On se trouve une tombe de la vitre, la putain. Oh le gars. Oh, vas-y, je reste pas. Vas-y, ouais, tu vas chier dans ton froc là. Vas-y, je reste pas avec toi. Allez, va chier. Tu vas choisir. Fais gaffe qu'il ne vienne pas me toucher encore parce que je vais chier. Hein. Vas-y, je te laisse. Je te laisse. Oh putain de caraïbe. Vas-y, je te laisse. Je te regarde pas. Je te filme pas là. Vas-y. C'est bon, tu peux chier. Voilà. Ouais, je t'ai fondé. Ouais, je te caraïbe. Putain, il a un chiasse d'enfer en plus le mec. Il s'est fait toucher par le. Ouais, il fondé. Voilà. Ouais. T'inquiète pas, je te filme pas. Je te filme pas, tu peux me faire confiance. Voilà, tu t'essuieras la semaine prochaine, c'est bien. Allez, on se tire maintenant. Voilà, là on a une super image, j'ai ce qu'il me faut, moi j'en ai plus rien à foutre. Je fais gaffe qu'il m'attrape pas par derrière non plus, on sait jamais. Généralement, moi j'ai plus de chance que le macabé. En même temps, faut dire que je suis tellement intelligent que il s'y attaque jamais à moi. Ouais, allez, viens. Oh putain. Allez, viens. Ah, je t'en fous. Putain, j'ai chié en coulotte. Ouais, bah écoute. Voilà. Encore. Oh, il vole. Allez. Oh, il vole. Oh, je vois caca. Oh là, caraille. Encore? Oh putain. Eh, tu vas pas chier ici quand même. Oh. Oh là 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 là. Bon. Putain, il s'arrête plus. Ah, je suis à mon veste. Il s'arrête plus. Oh putain là. Il s'arrête plus. Oh la caraille. Putain. Eh, tu vas te vider mon gars là. Vas-y, remets ton pantalon, on se casse. Allez hop. Chie dans ton froc, on s'en branle. Allez, chie dans ton bain, on s'en fout. Allez, remets tout ça. Oh là. Vas-y, t'inquiète pas, je te filme pas. Hein. Tu peux me faire confiance. Voilà. Allez, viens, on se casse. J'ai mal, bordel. Oui, bah, moi aussi j'ai mal. Hein. J'ai mal au cerveau. J'ai mal au maître. Moi, c'est pire. Hein. Attends, je peux pas oublier le chie ici et le marteau. Hein. C'est le... Oui, bah, on va pas laisser tes outils ici. Ça pique. Voilà. Je crois que je chie dans les outils. Non, ouais, t'as chié dans les orties, justement, j'ai pas trop envie de filmer ta merde. Oh putain. Ah, je t'en fous déjà. Ah, j'ai retrouvé ça. Allez, on court, on y va. Oh, aïe. Encore? Allez, non. Allez. Oh putain, en plus, t'arrêtes pas de péter là. Aïe. Ah, vas-y. Oh là là. Oh, fou déjà. Oh, c'est le délire complet, putain. Oh, c'est le délire. Vous avez vu ça? Eh, hey, allez, viens. Je vais pas te déranger pendant que t'es en train de chier. Ah, j'ai vu. Ah, caraille. Eh, hey, il est caca. Allez, voilà, il est caca. Je sais. Allez, viens, on se casse. Il m'a touché, Fred. On va rester là-dessus.
On se barre. Regardez-le. Oh là là. Allez. Arrête pas de chier là, et arrête pas de péter et de chier, il est en train de se vider. L'homme vert a eu raison de lui. Et moi je vais pas. Allez viens. Viens, je t'amène à l'hosto. Non, tu vas voir, ils vont te donner du synthol, ça ira beaucoup mieux après. Ouais, je sais que t'es en train de chier partout, t'es en train de te vider. Si tu restes ici encore longtemps, tu vas crever. Et c'est pas que je tiens à toi, sûrement pas d'ailleurs. Mais le truc, c'est qu'il va falloir à un moment donné que je rentre chez moi aussi. J'ai faim là. Je vais te voilà, je te dépose à l'hosto. Ils vont te filer un doliprane, ça ira beaucoup mieux après. Ils vont te mettre un pansement. Voilà. Aïe, il faut que je. Aïe. Encore ? Non, attends, oh. Allez, t'es beau avec ta scie et ta truelle là. Mourgan, bordel. Ouais. Oh. Ouais, bah écoute. Je peux plus. Voilà. Bon, allez, je vous laisse sur ces images là. Et super image de l'homme vert là, c'est génial. Super, c'est vraiment un super épisode. Que des bonnes nouvelles. Bon, allez, ciao.